Caleb se réveille. Chemri dit à Ahmed s'il peut se voir. Il accepte. Elle lui dit qu'elle attendra dans leur café habituel. Il demande à Zeynep par la suite de partir. Mais Zeynep lui demande de venir dans le lit. Elle lui dit jusqu'à quand il va continuer à se faire passer pour Kartal. Elle lui dit qu'elle a attendu toute la nuit. Elle continue à lui parler. Il lui demande de partir, sinon il appellera la police. Il s'en va. Derrière, elle se dit bientôt il va s'agenouiller devant elle. Muzaffer, de l'autre côté, va voir son frère. Ono comprend qu'il veut parler de Zeynep. Agacé dit à son frère que Zeynep est en couple avec Ahmed. Muzaffer lui dit c'est étrange, vu qu'elle a toujours détesté. Ono lui dit elle en a marre de lui, de leur relation, et qu'elle ne le supporte plus. Ono décide de ne plus en parler. Muzaffer lui demande d'être patient. Onur est déçu. Il dit à son frère qu'elle a vu sortir en peignoir chez Ahmed. Onur en colère brise leur photo ensemble. Sa mère, alertée par les bruits, arrive. Il lui demande de partir. Zerine demande à Muzaffer de sortir. Elle lui dit qu'elle va discuter seule avec son fils. Muzaffer s'en va. Soit pendant ce temps demande à Emre s'il retournera à la maison. Emre refuse. Soit lui dit que Muzaffer ne peut pas réagir comme ça sans raison. Il lui dit qu'il y a sûrement quelque chose. Emre, agacé, crie sur Soit. Il dit à Soit que Muzaffer est un homme grossier. Il lui dit qu'il a toujours été comme ça. Assia demande à Emre de ne pas se fâcher contre Soit. Soit essaie juste de raisonner. Il s'excuse auprès de Soit. Azime arrive à l'hôtel de Kemal. Elle appelle Emre. Il est étonné de la voir là. Elle lui demande pourquoi il ne pense pas à sa famille. Elle lui demande pourquoi il a abandonné sa mère. Comment peut-il autant faire confiance à un homme qu'il ne connaît même pas? Il lui demande si elle est venue pour lui parler de ça. Elle lui dit qu'elle est là pour voir Kemal. Elle lui demande où se trouve-t-il. Serine à la maison demande à Onur ce qui se passe. Mais Onur lui rappelle qu'elle le sait vu qu'il est à l'origine de ça. Il lui dit que Zeynep l'a quitté pour Ahmed. Mais Serine lui dit il l'avait averti. Elle continue à critiquer Zeynep et dit à Onur que Zeynep a toujours aimé cet Ahmed. Onur lui dit basta. Il lui demande de partir. Elle lui demande d'accepter la réalité. Serine se met à insulter Zeynep. Ça rend Onur en colère. De l'autre côté, Emre emmène Azime voir Kemal. Pendant ce temps, Zeynep pleure. Elle se dit Onur ne la pardonnera pas, qu'il oublie seulement. Elle se dit aussi elle va sacrifier son bonheur pour protéger sa sœur. On vient sonner, elle va voir. Elle se dit c'est peut-être Ahmed, mais elle n'est pas sûre. C'est sa mère. Elle lui demande ce qu'elle fait là. Elle la gifle. Onur, pendant ce temps, ne sait même pas où il va. Miné, qui est à l'arrêt de bus, le voit passer et l'appelle. Il apprend qu'elle sera à l'école. Il propose de l'emmener et l'accepte. Il s'en va. Azime de l'autre côté demande à Kemal ce qu'elle attend de Nefis. Elle lui rappelle qu'il a menacé, qu'il a séquestré. Mais Kemal lui dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Azime lui dit que Nefis est naïve, mais pas elle. Elle fait comprendre à Kemal que Nefis n'est pas seule, elle est là. Kemal sourit. Il lui dit donc Nefis est heureuse avec Muzaffer. Et son fils non. Azime lui demande en quoi ça le regarde. Elle lui demande si il veut prendre la place de Muzaffer. Elle lui dit elle ne le permettra pas. Kemal lui demande de faire attention. Azime dit à Kemal s'il révèle le secret, elle va l'exploser. Elle lui dit elle dira à tout le monde que c'est lui le kidnappeur de Nefis et ça fait sourire Kemal. Elle lui fait comprendre si la vérité éclate. Il croit qui vivra heureux avec Nefissé, s'agace Kemal et lui demande de partir. Avant de partir, elle lui dit, Assia est une belle fille. Elle l'aime beaucoup. Elle est son héros. Elle lui dit, si sa fille sait réellement que son père est fou, maniaque, psychopathe, s'agace Kemal et lui demande de ne pas impliquer sa fille. Azime lui demande de s'éloigner donc de Nefissé, sinon elle va dire tout à sa fille, puis à la police. Elle lui demande de ne pas utiliser Emre. Azime demande à Kemal de garder ses distances avec Nefissé et lui demande de se taire. Il lui demande de partir et de ne plus le menacer. Il la chasse. Emre, Assia voit un peu la scène. Azime s'en va. Assia va demander à son père ce qui se passe. Il lui dit rien. Emre lui dit c'est Muzaffer qui l'a sûrement envoyé. Emre en colère veut aller en découdre la maison Kemal empêche. Il se met à jouer les victimes. Il dit à Emre, Muzaffer s'en prend encore à lui. Pendant ce temps, Nefissé demande à Zeynep ce qu'elle fait là. Elle lui dit elle s'est remise avec Ahmed. Nefissé voit rouge. Elle lui rappelle qu'elle est avec Onur. Zeynep lui dit qu'elle est amoureuse d'Ahmed. Nefissé, elle va devenir folle. Zeynep lui dit avec Onur, ça n'a pas marché, mais Ahmed a tout fait pour elle. Il est même allé jusqu'à changer son identité. Nefissé la traîne de force. Zeynep refuse encore, jusqu'à même briser un vase au sol. Elle dit à sa mère, elle va rester là. Elle lui dit à partir de maintenant, elle ne veut plus être forcée à faire quoi que ce soit, même si ça vient de sa mère. Nefissé est toujours choqué. Ahmed de l'autre côté retrouve Chemre au café. Elle lui dit à la maison la tension c'est pas bon. Elle lui dit elle se sent bien avec lui. Par la suite, elle lui dit ça serait sorti la nuit dernière. Elle lui dit elle a le sentiment qu'elle est venue le voir. Il lui demande pourquoi elle dit ça. Elle lui dit elle le sent juste.
Il lui demande sa sœur d'où. Elle lui dit sa sœur est jalouse d'elle. Elle est obsédée par Ahmet. Et elle s'est reportée sur lui, Kartal. Pendant ce temps, Nefissi rappelle à Zeynep qu'elle a passé des mois à être anxieuse à cause de cet homme. Zeynep lui dit qu'elle a réalisé qu'elle aime Ahmet. Nefissi lui dit qu'elle aime Honor. Zeynep voit rouge. Elle lui dit non. Elle dit à sa mère son destin est lié à Ahmet. Elle la traîne. Elle lui demande de la laisser être heureuse une fois dans sa vie. Nefissi lui rappelle que Honor ne va pas bien. Zeynep lui redit c'est terminé. Nefissi lui demande à quel moment est-elle devenue une personne malveillante. Zeynep lui dit avec Honor ça n'a pas marché. Elle lui demande si c'est son dernier mot. Zeynep accepte. Nefissi s'en va. Honor de l'autre côté va déposer Mina à l'école. Elle le remercie. Il lui dit qu'il n'avait rien d'autre à faire de toutes les façons. Il lui demande si elle se sent bien à la maison. Elle lui fait comprendre qu'elle dort bien grâce à lui. Il va dans sa voiture. Là, il aperçoit Nefat qui s'en prend à Miné. Celui-ci, pendant ce temps, accuse Miné de l'avoir quitté pour s'amuser avec d'autres hommes. Il lui demande si elle a fricoté avec cet homme. Il lève la main pour lui donner une baffe. Honor arrive et lui donne une baffe. Il lui demande de la laisser en paix. Il prévient cet homme. C'est la dernière fois. Par la suite, il demande à Miné si ça va sous pression, elle accepte. Ils quittent les lieux ensemble. À la maison, Suna vient demander à Lutfu s'il peut l'aider avec ses meubles. Elle se met à lui dire c'est un homme fort. Lutfu apprécie ce compliment et l'accepte. De l'autre côté, ils vont discuter dans un jardin public. Elle lui dit s'il n'était pas là, les choses auraient pu dégénérer. Il propose que Lutfu le protège et refuse. Elle lui dit il a l'air d'avoir des problèmes. Il reçoit l'appel de Nefissi au même moment. Nefissi lui dit ils doivent parler. Mais il dit à Nefissi si c'est pour parler de Zeynep, il n'a pas le temps. Nefissi lui dit elle a vu Zeynep, elle ne reconnaît pas sa fille. Elle insiste à le voir. Il se donne rendez-vous à la maison. Après l'appel, Mina lui demande s'il a des problèmes avec Zeynep. Il refuse d'en parler. Il lui dit encore tendu. Il propose de la ramener à l'école. Elle lui dit qu'elle préfère rentrer à la maison et s'en va. Azime, elle arrive à la maison. La sécurité n'est pas là. Ça l'agace. Elle appelle le tout. Elle le surprend en train de discuter et de ranger un canapé chez Suna dans l'annexe. Azime l'appelle, Lutfu est sous pression. Elle lui dit il laisse sans surveillance le portail pour venir ranger les meubles. Miyamor commence à dire Lutfu sous pression. Il tente de se justifier auprès d'Azime, mais Suna agacé dit à Azime que Lutfu ne faisait rien de mal. Azime lui rappelle qu'elle a mis la vie des gens qui l'ont accueilli en danger. Suna lui dit elle n'a pas pu le faire elle-même. Plus loin, Suna dit à Azime elle est qui pour lui parler ainsi. Azime l'attaque. Elles se battent. Elle a mort même. Lutfu les sépare. Azime demande à Suna de faire attention à elle, sinon elle la mettra dehors. Nefissi de l'autre côté s'excuse auprès d'Honor. Elle dit à Honor, sa fille n'est plus la même. Nefissi dit à Honor, Zeynep n'aime pas cet homme. Il y a sûrement quelque chose. Honor lui demande de s'habituer à cette situation. Nefissi dit à Honor, Zeynep déteste Ahmet. Elle lui dit, Zeynep lui cache quelque chose. Honor ne sait pas trop. Mais il y a Nefissi, la seule chose bizarre qu'il sait est que Chemri et Ahmet deviennent amis. Nefissi est choqué. Il lui dit Zeynep s'est éloigné de lui après ça. Il décide de partir. Pendant ce temps, Ahmet vient déposer Chemri à la maison. Nefissi arrive dans la maison et déprime. Muzaffer lui demande si elle a parlé à Zeynep. Chemri arrive aussi au même moment. Nefissi se lève directement. Elle va la gifler. Muzaffer intervient, mais elle lui demande de rester en dehors de ça. Chemri ne comprend pas ce qui se passe. Nefissi la traîne dans sa chambre. Azime et Muzaffer les suivent. Elle demande à Chemri pourquoi elle fréquente un homme qui s'est pris à sa sœur. Chemri lui dit qu'elle n'a rien fait, sa sœur est folle et elle est jalouse d'elle. Elle lui dit tout tourne autour d'elle. Nefissi lui demande de se taire. Muzaffer demande à Nefissi de se calmer. Elle dit à Chemri sa sœur se sacrifie pour la sauver. Elle lui dit elle est chiamette. Chemri choqué ne croit pas. Elle lui dit sa sœur ne peut pas lui faire ça. Elle veut partir. Nefissi lui dit elle ne sortira pas de la chambre. Elle enferme dedans et ordonne à Azime de surveiller la chambre.